L'investisseur Patrice Motsepe, reçu ce jeudi 18 août 2022 par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, était porteur d'un gros projet d'investissement de phosphate et d'autres fertilisants dans la zone de Inda, située dans le village de Makola, dans le département du Kwilu. Une zone très Reçu à la résidence du dictateur Denis Sassou Nguesso avec une poignée de main maçonnique, comme pour affirmer leur fraternité. Patrick Motsepe, homme d'affaires sud-africain, actuel président de la CAF, a rendu visite au régime tribaliste pour signer une série d'accords économiques. Ce qui me choque, ce n'est pas l'information en elle-même, mais plutôt la présence de Lucien Ebata, sulfureux homme de l'ombre du tyran congolais. Pourtant interdit de quitter le territoire français. Là encore, vous comprenez aisément que la France est un État corrompu et baigne dans les affaires sales des pays africains. Que vient faire Lucien Ebata dans cette sombre affaire d'investissement sud-africain à Pointe-Noire? Nous nous sommes penchés sur la question et nous avons découvert le poteau rose, la combine. Il s'agit en effet d'une opération de blanchiment de fonds publics, de rapatriement des fonds publics congolais volés et cachés dans les paradis fiscaux, comme les médias étrangers l'avaient déjà rapporté. Nous nous souvenons encore des affaires des Pandora Papers. Denis Sassou Nguesso, impliqué dans plusieurs affaires de corruption à l'échelle mondiale, tente de blanchir l'argent du peuple congolais en négociant avec l'homme d'affaires sud-africain, Patrick Motsepe, des plans d'investissement dans la capitale économique congolaise. Nous voulons dire ici que cette opération économique entre le dictateur Denis Sassou Nguesso et l'homme d'affaires sud-africain, Patrick Motsepe, a vocation à blanchir, à effacer toutes les traces de l'argent public congolais volé, notamment obtenu de la vente du pétrole congolais à l'étranger. Ne vous faites pas d'illusions. Aucun projet mené par le tyran congolais ne pourra prospérer. Le pouvoir de Denis Sassou Nguesso est maudit.